Est-il que le vainqueur de cette rencontre eh bien, retrouvera un petit peu plus tard Victor Viana. Donc, imaginez. Regardez le regard de Thiago Villa sur Claudio Godoy. Elle lui met la pression. Ouf. Ah, il a l'air d'être motivé, Silva. Écoutez, il n'a plus que quelques secondes avant de trouver qui est le patron ce soir. Allez, première reprise. En matière plutôt musclée tout de même, hein, mon cher Karim. Contrairement à tout à l'heure, on ne va pas s'observer très longtemps. Regarde, faire aucun calcul. Maintenant qu'on connaît le finaliste, on va vouloir prendre sa place tout de suite. Oh, il est bien le middle là, très bon middle là de Thiago Silva. Allez Godoy là qui peut y aller, qui fonce là. Il a été stoppé tout de suite hein, dans son élan. C'est distribution gratuite là Pascal sur le ring. Qui en joue cette deuxième demi-finale est complètement différente de la première. On est tout de suite rentré dans le vif du sujet là. Ouais. Il n'y a pas de calcul, rien, on y va plein pot. Et on a choisi pour le moment de rester en position debout, en stand-up. On fait travailler les poings, les jambes. Ça va peut-être pas faire les affaires de Godoy, qui est plutôt un spécialiste au départ du jiu-jitsu. Mais du coup, il a joué le jeu, vous avez vu, il n'a pas cherché à descendre. Et il aime bien les jambes également. Hein. Alors ça, par contre, c'est Silva. Silva, mais je suis carrément dans le fight là. Hein. C'est vrai que Godoy, je vous dis, il a accepté le combat debout, il n'y a pas de souci, s'il faut, on fait. Ça se provoque, ça se charrie un petit peu. C'est vrai que je sais pas si c'est très judicieux pour Godoy hein, qui n'est pas forcément un spécialiste du pied-point. D'essayer d'aller comme ça sur le terrain de. L'adversaire, il n'a pas laissé la possibilité peut-être d'y aller. Regarde le coup. C'est fini, je pense. Super, le court crochet du gauche qu'il a pris. Il va falloir récupérer vite là parce que il a bien sonné là. Allez. Oh, encore une fois, le crochet crochet du droit de Silva. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à intervenir. En tout cas, il a été bien sonné là, Claudio Godoy. Oh, il n'en veut plus. Intervention de l'arbitre. Et bien, dites-moi, victoire expéditive hein, de Thiago Silva. Ça lui a permis de ne pas brûler toutes ses cartouches. Et puis, il n'a pas pris beaucoup de coups du coup. Parce qu'on le rappelle, hein, il est finaliste maintenant. Il va être pas mal pour la grande finale. D'ailleurs, regardez. À Viana. Regardez, il est parti tout de suite. Hein, il n'a pas attendu. On n'attend pas, bien évidemment. Il n'a pas attendu son reste. Hein, il est parti tout de suite dans le vestiaire pour récupérer. Et on va tout de suite se retrouver nous par contre pour le prochain combat. A tout de suite après la présentation des combattants.